que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire enfin mes produits terminés. Je rachète pas, j'ai plein de produits à vous montrer, des produits pour le visage, pour les cheveux et pour le corps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo, oui je sais. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur plusieurs produits, restez avec moi. Et je commence par les produits terminés visage. J'ai terminé le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de Moringa de la marque Clarins. C'est un produit qui nettoie parfaitement la peau sans la graisser, non comédogène, et laisse la peau toute propre dans une sensation de fraîcheur. Mon produit chouchou dans la salle de bain, ça fait 4 ans maintenant que j'utilise. Oui, je le rachèterai. Et j'ai terminé le mousse nettoyant onctueuse de la marque Nivea pour la peau sèche et sensible. Pareil, je suis fidèle à ce produit. J'utilise maintenant, ça fait 3-4 ans. Elle coûte 4,90€ à Carrefour, accessible. On le trouve partout dans les grandes surfaces. Très économique, impression suffit pour faire tout le visage. Oui, je le rachèterai. Et le troisième produit dont je suis fidèle, ce sont les lingettes de la marque D-Mac Up. Les lingettes D-Mac Up pour la peau sèche au sensible, qui sont comme ceci. Elles coûtent 3,50€ à Carrefour et démaquillent très bien. Sans parabène, oui, je le rachète. Le produit n'est pas terminé, mais j'ai arrêté de l'utiliser. C'est le soin chronoaction réducteur pore de la marque Vichy. Normalement, j'ai acheté ce produit pour hydrater ma peau, mais il m'a fait une poussée d'acné terrible. Donc, je ne te rachèterai pas. Et j'ai terminé le démaquillant aux yeux de la marque Les Cosmétiques Démaquillant aux yeux Express pour le maquillage waterproof, qui est une tuerie. J'adore ce produit. Il démaquille merveilleusement bien, même le maquillage waterproof ne coûte pas cher. Je pense qu'il coûte autour de 2,50€, 3€ à Carrefour. Franchement, c'est un très bon produit que je vous le recommande. Bah oui, mais toi, je te rachèterai. Bien sûr que je le rachète. Ensuite, j'ai terminé les lingettes visage bande de cire de la marque Ovid. C'est pour la peau sensible aux vitamines E et huile d'amande douce. C'est un produit nul, qui enlève rien du tout. Non, je le rachèterai pas et je vous le recommande pas. On passe maintenant au produit corps. J'ai plein de produits à vous montrer. Je commence par le lotion de massage anti-vergeture avec le vitamine E, le collagène et beurre de karité de la marque Palmer. C'est un produit qui nourrit bien les zones sensibles aux vergetures. Sa texture est agréable, épaisse, pénètre facilement et elle coûte autour de 8€ à Carrefour. Oui, je le rachèterai. Un autre produit que j'adore, c'est le lait réparateur pour abîmer desséché de la marque Le Petit Marseillais, qui coûte autour de 3€ à Carrefour. Accessible, ne coûte pas cher et nourrit bien la peau et évite l'irritation et sensation d'inconfort. C'est un très bon produit que je vous le recommande, et surtout maintenant en hiver, il hydrate franchement merveilleusement bien. Oui, bien sûr, je le rachèterai avec le grand plaisir. À un moment de plaisir, j'ai terminé deux crèmes hydratantes de la marque Cottage aux cerises noires et pistaches qui sont merveilleusement bon, extrêmement bon. Franchement, c'est un très bon produit. Une odeur qui reste sur la peau pendant quelques heures après la douche. Elle lave bien, mousse bien, n'irrite pas la peau. Oui, c'est un produit que je le rachèterai encore une fois avec le grand plaisir. Ensuite, un produit que j'adore, j'ai terminé antiperspirant de la marque Dove. C'est un produit normalement qui contient le vitamine E et crème hydratante. Un produit efficace, pas d'odeur de transpiration jusqu'au soir. Très bon produit, pas cher. Et je le rachèterai celui-là avec le grand plaisir. C'est un produit que je veux le recommander. Ensuite, j'ai terminé le lait hydratant pour la peau sèche de la marque Le Petit Marseillais, huile essentielle et amande douce. C'est un produit qui ne pénètre pas rapidement. Pour ma part, je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Je préfère nettement sa version blanc cassé pour la peau très sèche. Je suis déçue de ce produit. Non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de la marque Cottage, la fleur d'oranger, qui sent encore une fois extrêmement bon. L'odeur n'est pas chimique, un produit qui laisse la peau toute douce. Plus, on le trouve partout dans les grandes surfaces. Oui, je le rachèterai. Encore un produit, et j'ai terminé pour les produits corps. C'est le gel douche crème de Sœur de Provence de la marque Dope, au lait d'amande et feuilles d'olivier, qui sent... Ah. Encore une fois, bon, un produit qui n'agresse pas la peau, mousse bien, se lave bien. Et oh mon dieu, pour l'odeur, franchement, c'est une tuerie aussi. Et certes, cette odeur au lait d'amande et feuilles d'olivier, j'adore. Oui, je le rachèterai. On passe maintenant au produit cheveux. J'ai terminé un masque,
un masque de la marque Kérastase, c'est élixir ultime au lieu complexe. Pour ce produit, c'est un produit qui sent bon et c'est tout. Et c'est tout. Donc, il fait rien du tout. C'est un produit qui coûte très 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 cher. Je pense autour de 35-40 euros. Il fait rien. Donc, je suis de plus en plus déçue par la marque Kérastase. Non, je ne rachèterai pas. Non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un produit de grande surface. C'est Expert Nutrition après shampoing, soin professionnel nutrition intense au beurre de karité de la marque Franco Provo que j'adore. J'adore ce produit. Il sent juste bon. Normalement, il coûte à peu près 7,50€, 8€ les 750 ml. Donc, rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Sans parabène, pour être clair, ce n'est pas un soin. C'est juste un après-shampoing qui fait bien son boulot, qui démêle bien les cheveux. Oui, je le rachèterai. Un autre après-shampoing de la marque Le Petit Marseillais cette fois, c'est après-shampoing rétrécition intense de huile de karité et d'argan. Je n'aurai pas les cheveux, je préfère de loin l'autre version jaune, beurre de karité, huile d'amande douce. Non, c'est un produit que je le rachèterai pas. Un autre produit de Kérastase, j'ai terminé le Fibre Architect Double Serum Rénovateur Matière de la marque Kérastase catégorie résistance. C'est un soin et un sérum pour les cheveux très abîmés. Encore une fois, un produit qui coûte très cher pour peu d'efficacité. Il y a peu de liquide vert par rapport au liquide blanc et ne répare pas les pointes fourchues. Non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le sérum. Normalement, c'est un masque au sérum réparateur sans répair de la marque Ilsève. Normalement, catégorie Ilsève, la marque L'Oréal Paris. Ça coûte à peu près 7€ à Carrefour. Oui, c'est un bon masque. Il hydrate bien les cheveux, mais il ne les répare pas. Celui-là, oui, je le rachèterai, mais que pendant les promotions, il coûte quand même un peu cher. C'est entre 7-8€ à Carrefour. Maintenant, je vous présente un produit catastrophique qui brûle. C'est l'huile d'ail de la marque Al-Kawthar, qui est comme ceci. C'est un produit que j'ai acheté au Maroc. Tout simplement, c'est l'huile d'ail, mais celle-ci, il m'a brûlé. Je sais pas, il y a quelque chose dans la composition qui va pas avec mon crâne. Mais bon, il m'a vraiment brûlé. Je ne la recommande pas, cette huile. Maintenant, je prépare l'huile d'ail moi-même. Si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Mais pour cette huile, c'est fini. D'ailleurs, c'est un produit que je n'ai pas terminé, mais j'ai utilisé que une, je pense qu'une fois, une, deux fois. Il n'est pas terminé, mais c'est bon, c'est fini pour ce produit. Hein. Donc, la marque Kawthar et qui sent franchement. Et voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous plaira. Si oui, je vais essayer de vous faire de plus en plus des vidéos produits terminés. Je rachète pas des top flops, des favoris du moment aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. J'espère en tout cas que ça sera utile pour vous. Prenez soin de vous. À bientôt.